Moi, c'est le pasteur David Marie, le pasteur principal et aussi le président de DM Ministries. Il y a une autre ligue qui m'a apprécié dans la Bible, c'est le roi David. Mais c'est une ligue royale, la Bible déclarée. Encourage-toi, afin que réellement tu es capable de découvrir cette personne. Afin que réellement tu es capable de découvrir que l'Esprit bon Dieu est là pour toi. Je dis, dit Dieu plutôt, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Écoute ça bien. Et vos vieillards auront des sons. Voilà, shalom tout le monde, je crois réellement que je suis bien à côté de Dieu, je crois que vraiment la grâce de mon Dieu peut accompagner dans la case. Et je les remercie pour cette fidélité dans nos pages, je les remercie pour cette fidélité dans David Ministries TV. Et je crois réellement que la grâce de mon Dieu peut accompagner aujourd'hui. Amen, comme promis, nous finissons des autres qui ont un invité spécial aujourd'hui dans nos plateaux, c'est le prophète Ben qui l'a. Et je crois réellement qu'aujourd'hui Dieu a un message de la part de ce port à travers ce prophète pour toi. Alors, mon Dieu, réellement, avant qu'il nous commence, et vraiment passe à la prédication, comment hier, mon fin de Jésus, qui nous passe un moment de louange, d'adoration, et puis nous commence, nous pour accueillir le prophète Ben, et pour donner la parole que Dieu finit de nous. Amen. Alors, avant qu'il nous commence, mon Dieu, vraiment, prépare les cœurs à travers ce chant, et après cela, vraiment, le prophète Ben pour intervenir, pour qu'il lui donne la parole que Dieu finit de nous. Amen, amen. Alors, mon Dieu, pendant ce moment-là, ouvrez-vous les cœurs. Amen. N'a pas résisté. Ouvrez-vous les cœurs et n'a la foi pour recevoir afin qu'il réellement te découvre ce qui bon Dieu a pour toi aujourd'hui. Je voudrais dire, un quelqu'un qui a la foi pour recevoir, c'est une personne qui peut être bénie. Mais un quelqu'un qui guette pour critiquer, un quelqu'un qui guette pour magouiller quelque chose, qui trouve le mal, il peut être béni ça. Mais alors, moi, encourage-toi pour que tout simplement, il a un cœur pour recevoir. Amen. Alors, laisse-qui nous capable passe à la louange et l'adoration.
présence. Il y a la guérison dans ta présence. Il y a la délivrance. Oui, je reçois. Je reçois, oui 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 je reçois, ta pure, ta joie. Voilà, je crois que réellement ce film passe un excellent moment avec ce chant et aussi avec ce clip. Et ce clip il vient d'un frère qui s'appelle Mathieu Michou. Je suis capable de guetter le YouTube et ce link est dans la description au bas. Amen, amen. Alors, me demande maintenant qui réellement je tiens les cœurs pour recevoir. Et la Bible dit que nous recevons un prophète en qualité d'un prophète, nous avons reward d'un prophète. Amen. Et je crois réellement qu'aujourd'hui, peu importe, il y a un pasteur, il y a un apôtre, peu importe qui s'en a. Quand on respecte l'onction d'une personne, on recevoir un double manteau ou un double onction de la personne. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, il ouin madame, il ban homme pour sa génération. Amen, amen. Alors, je vais demander maintenant qui vraiment est-ce qu'il nous capable d'accueillir le prophète Ben, qui a l'honneur plateau et qui réellement se tient un liqueur pour recevoir. Prophète Ben, bonjour. Qui bon Dieu bénit abondamment. Bonjour, pasteur David. Je vais accueillir aujourd'hui le chaîne de télévision David Ministries TV. Et nous croyons que réellement aujourd'hui Dieu finit de nous une parole exceptionnelle pour ce moment qu'il nous peut vivre là. Exactement. Alors moi je vous demande, est-ce que vous êtes capable de présenter nous au texte, présente nous ce qui, l'eau qui vous pouvez venir causer, vu qu'il nous finit de mettre un thème, et accéder à la gloire de Dieu et aussi activer, non? Accéder et activer à la gloire de Dieu. Pardon. Donnez un petit peu plus de détails à ce niveau là. Qui bon Dieu finit dire, bon Dieu finit révéler à travers sa message là. Bon, avant de passer sur ce prophétiquement, ce qui bon Dieu mettre le mot l'équerre, ce qui vous fait dire là, accéder et activer à la gloire de Dieu. Yes. Et premièrement, je voulais saluer tout le monde qui vient de dire, parce que je pense que c'est la à peu près troisième fois qui m'a sa plateau là. Environ troisième qui m'a sa plateau là. Et je voudrais en premièrement dire bon Dieu merci pour sa privilège, hein, amen, pour un privilège amen. Énorme pour nous. Et pour mettre là, l'eau, sa plateau là, amen. Pour être capable de continuer. Dire et continuer, exprime moi-même ce que Dieu fait de mettre le moléquaire en tant qu'un homme de Dieu. Amen, amen. Et en passant, encore une fois, je voudrais dire merci à tous ceux qui peuvent reconnaître moi. Amen. Man Kiken qui fellowship avec moi, Man Kiken qui vraiment. À cœur. Je dis merci à tous ceux ou celles qui reconnaissent moi et même ceux ou celles qui j'amène tout au moi. Et voilà, moi m'appelle Ben. Amen. Et moi exerce le ministère comme prophétiste, c'est-à-dire comme un prophète. Amen. Et voilà, ce soir, je voulais dire merci beaucoup pour votre attention. Merci amen, qui, amen. Comment, on dit à David, qui la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend amen, et amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Et il faut qu'il nous capable ouvrir nous les cœurs, quel que soit qu'il y ait un homme de Dieu qui peut prêcher, on dit, il faut qu'il nous capable ouvrir nous les cœurs, qu'il nous capable écouter ce qui est le Saint-Esprit, parce que nous devons savoir qu'il est un instrument entre les mains de Dieu, nous juste seulement qu'un instrument, quel que soit vous êtes un prophète, vous êtes un évangéliste, un pasteur des jeunes, n'importe quoi, mais vous êtes un instrument pareil comme Paul le dit. Amen. Un instrument de l'âme, bon Dieu, écoute là, et bon Dieu, utilise nous. Ouais, comme un canal, comme un porte-parole, comme on dit. Right. Et pour nous capables de dire ce qui bon Dieu mettre le nous les cœurs. Alléluia. Et cet après-midi, exactement pareil comme nous mettre le Facebook, qui nous pour cause l'eau, accéder
et activer la gloire de Dieu. Amen. Le mot accéder veut dire, comme on dit, le mot accéder, on pense que le mot accéder, c'est quelque chose qu'on a accès. Mm. Comment on peut avoir accès à la gloire de Dieu? Wow. Right? Et aussi, comment on peut activer. Activer veut dire to move. Mm-hmm. Right? Veut dire faire une petite chose pour te trouver ces choses arriver. Mm. Right? Accéder veut dire on a une entrée. Mm. Right? Comment vous avez une entrée chez vous, vous pouvez yeah. entrer. Nous aussi. Beaucoup du monde croit qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu et Pasteur David, c'est quelque chose. Dès qu'on entre dans l'église, on chante un petit peu, on dit ok, on va chanter, on va louer, on va adorer. La gloire à ce moment-là, la gloire va descendre. Comment? La gloire va descendre. Mm. Mais lorsqu'il s'agit, lorsqu'il m'a fait étudier cela, parce que Dieu fait le médecin le moléculaire pour parler de ça, mm. et je peux vous dire très clairement, David, qu'il me trouve ça le contraire. Yeah. Malgré qu'on peut rentrer, malgré qu'on doit aller dans la maison de l'Éternel, yes. right, pour nous capables, comment dire, exactement, avoir cette relation avec Dieu. Mm. Et là, cet après-midi, on va développer cela. Amen, on va amen. Voir exactement c'est quoi la gloire de Dieu. Comment? On va voir exactement. Yes. Et nous parlons un petit peu vite qu'il fait, parce que peut-être on a beaucoup de choses à dire. Yes. Right. On dit que merci qu'on puisse terminer. Mm. Terminer dans un moment qui le Saint-Esprit peut dire nous besoin de terminer. Right. Et exactement, en premier lieu, c'est quoi la gloire de Dieu? Mm. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça veut dire la gloire de Dieu. Ben là, quoi, comment dire la gloire de Dieu? Là, c'est-à-dire, comme on dit, où venir, adorer un petit peu, hein, vous trouvez un des trois du monde, peut bouger un peu comme si. Hein, parler langue un peu. Peut parler langue un peu, Pasteur David, on dit que voilà, la gloire de Dieu se manifeste. Yeah. Mais bien au contraire, ce n'est pas ça, mon ami. Come on. Il y a beaucoup de gens qui sont pensés comme ça, mais ce n'est pas exactement ça. Amen. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la manifestation visiblement de Dieu. Wow. Right? La gloire de Dieu, je redis encore, la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de Dieu. C'est-à-dire, wow. Vous comprenez? La manifestation visible. La manifestation visible de Dieu, où là wow. Dieu s'opère, où là il manifeste même. La gloire veut dire se manifeste. Wow. Dieu veut se manifester. Alléluia. Dieu a le désir de manifester parmi son peuple, parmi n'importe qui. Qui pour rechercher? Tout à l'heure, comment? On va développer ça. Yeah. On va voir dans l'exemple qui ceux ou celles qui ont vu la gloire de Dieu. Yeah, my yeah, God, yeah, 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 this yeah, is yeah, great, yeah, wonderful, yeah, yeah. Father, when Alleluia. I speak that now. OK? Et, Et deuxièmement, comme exemple, on voit la gloire de Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Mm. L'intimité, vous avez une relationship. Yeah. La relation avec Dieu personnellement entre vous et lui. Wow. Ça se passe individuellement. Mmh. Dans la somme, quand on veut prier avec Dieu, right. Dans le même, dans la présence de Dieu, quand vous êtes dans la maison de Dieu. Mmh. Vous comprenez? Mmh. Dans la maison de Dieu, là, vous avez une intimité profonde, yeah. intimité profonde avec le Dieu. Seigneur. Right. Le Seigneur, quand papa cause avec vous, il y a d'autres personnes qui n'entendent pas. Comment? Pourquoi? C'est parce que vous avez une intimité avec Dieu. Vous êtes concentré avec Dieu. Connecté. À ce moment-là, Dieu lui-même, il se manifeste autour de vous. Wow. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, il habite dedans de nous. Amen. La Bible dit comme ça, c'est quoi? L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, il habite dedans de nous. Comment? Mais Dieu, il est tellement envie, révèle lui-même. Mm-hmm. À nous, yeah, yeah, qui yeah, nous, yeah. Nous avons le désir de le rechercher. Ah, écoutez ça, Pasteur David. Comment? Dieu a tellement envie de se révéler lui-même que nous-mêmes, nous avons le désir pour le rechercher. Yes. Quel est ce Dieu que nous servons? Right? Qui est vraiment, il a envie de révéler lui-même, il a envie de révéler sa plénitude. Wow. Mais cela ne se passe pas comme ça, David. Mm. C'est vrai. Il y a un prix à payer pour ça. Mm. Sans le prix, vous ne pouvez pas avoir accès. Et vous ne pourrez jamais voir. Right? Ou pour papa, il n'a aucun accès. Mm. Et ou pas pour tout ce que vous avez demandé, activé dans votre vie. Wow. Sans qu'il ou pas ne comprenne c'est quoi exactement the glory of God. Yeah. The visible glory of God. Come on.
dans ces derniers temps-là, ok, pareil comme le temps a passé, Dieu a révélé à ses serviteurs, à ses servantes sur la gloire. Ils ont vu faire cette expérience. Tout à l'heure, on va voir exactement trois apôtres qui ont pu expérimenter la gloire de Dieu. Et aussi, un exemple qu'ils ont fini de tirer dedans. Parce qu'on va développer ça tout à l'heure. On va voir exactement. Si réellement, je finis de rentrer dans la gloire. Parce qu'il y a quelque chose qui, visiblement, vous voyez la gloire de Dieu. Et vous rentrez dans la gloire de Dieu. Il y a deux choses là. Entrez dans la gloire de Dieu et trouve visiblement la gloire de Dieu. Trouve la nuée. Vous êtes dans la nuée. Quand vous êtes dans la nuée. Photo de métier, là. You understand that? On a mis cette photo là. Quoi? Pourquoi? The clouds. La gloire de Dieu descend par la nuée. Et tout à l'heure, nous pouvons ça encore. Quand Moïse était dans la gloire, la nuée couvrit le mont Sinaï, mon ami. Comment? Il va peut trouver, it is in the glory of God. Tout à l'heure, on va développer, c'est extraordinaire, nous pouvons ça verser là. Comment exactement il nous fait savoir exactement c'est quoi réellement la gloire de Dieu et David. Et merci quand même. Et oui, on peut dire que c'est une relation intime. Pour notre introduction, c'est une relation intime avec Dieu que tu as. Définitivement. Pour pouvoir rentrer en accès, définitivement, tu dois te retirer à l'école. Vous devez vous retirer à l'école. Il y a des moments que là où besoin sortir, où besoin faire quelque chose. Donc, on a un bon exemple tout à l'heure, un homme de Dieu, que là, pour pouvoir avoir ça. Mais on peut dire que la gloire de Dieu, écoutez ça bien David, la gloire de Dieu, si beaucoup de personnes ne savent pas, la gloire de Dieu a un prix. Pour qu'il nous capable vivre. La gloire de Dieu, ça coûte cher, mon ami. La gloire de Dieu ne peut pas gagner comme ça. Nous disons, ok Seigneur, voilà, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. La gloire de Dieu a un prix. Il faut que vous payiez le prix pour pouvoir entrer et voir la gloire de Dieu, mon ami. Il y a beaucoup qui finissent gagnent misunderstanding from that. Ils n'ont pas compris c'est quoi. Vraiment la gloire, la présence de Dieu, la manifestation, tout à l'heure on a dit, dans l'introduction, la visible. Manifestation visible de Dieu, c'est un tiers. Sa présence est autour de vous, il se manifeste. Là, il peut se manifester par des miracles, il peut se manifester par des guérisons, il peut se manifester par des visions. Plusieurs choses peuvent vous arriver quand la gloire de Dieu se manifeste. Vous comprenez? Come on. Thank you, Jesus. Et très peu de chrétiens et d'hommes aujourd'hui a un accès à la gloire de Dieu. Tigin Dimoun, dit David. Peu de gens a cet accès maintenant de rentrer, de voir la gloire de Dieu. Qui fait? C'est parce que je n'ai pas fini, je peine à une détermination premièrement d'expérimenter cela et de voir cela. Et comme je vous ai dit que la gloire de Dieu a un prix. Et nous racontons bien des affaires. Nous avons la gloire de Dieu qui est ici et nous avons aussi la gloire du monde. C'est ça que le diable propose. Nous avons la gloire de Dieu et il y a deux gloires. Nous avons la gloire de Dieu et nous avons la gloire du monde aussi. Regardez le monde, qu'est-ce qu'il fait, mon ami, pour prouver cela. Il veut accéder avec une gloire sur cette terre. Regardez un athlète, Pasteur David. Quand il veut gagner quelque chose, je connais un athlète qui s'appelle Carl Lewis. Il a eu 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. My God, comment il a fait, my dear father? Comment il a fait, David? 4 médailles d'or, je vous dis. C'est une gloire pour lui. C'est une gloire pour sa famille. Mais cela n'a pas fait une venue comme ça, pasteur David. Il a sacrifié. Il a tout donné.
Il était encastré, mon ami. Thank you, Jesus. Wow. Il était encastré que personne ne le voit pas. Sacrifice matin, midi, soir. Que personne ne pouvait le quand il fait l'entraînement. Yeah? Ah, peut-être qu'il n'y a pas de cause avec personne. Carl Lewis. Regardez, il y a plusieurs personnes qui vraiment qui payent un prix pour une chose dans ce monde. Ils se sacrifient. Ils se sacrifient eux-mêmes. Même si on parle d'un lauréat, un jeune homme qui étudie, il veut avoir ce papier-là, sa lauréat-là, il bisingue ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle plus avec sa famille, Pasteur David. Il se retire, les gens, ils ne connaissent pas. Là, il est en train, je te dis, il est en train d'étudier maintenant, là, mon ami. Hein? Il est en train d'étudier, là. Tu ne dois pas lui parler, là. Il se sacrifie. Hein? Le sommeil n'a pas de pouvoir sur lui. Yes. Malgré qu'il dormait. Mais là, il sait qu'il doit faire quelque chose. Parce que après, le résultat va venir. Quand il a appris... dans l'internet ou soit dans le résultat qu'il a obtenu le lauréat. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Une réjouissance. C'est une gloire, my God. C'est une gloire pour la famille. My dear Lord. Ainsi, de même nous en tant que chrétiens, Pasteur David, pour voir la gloire de Dieu, pour accéder, il faut faire quelque chose, mon ami. Il y a beaucoup qui sont prétendus, j'ai vu la gloire, j'ai vu la gloire, j'ai vu la gloire. Ils ne savent pas exactement c'est quoi la gloire. La gloire a un prix, mon ami. Exactly as the world paid the price. La gloire de Dieu aussi a un prix. Alléluia. Nous allons voir maintenant. Jésus lui-même, il devait payer ce prix-là pour qu'il puisse entrer. Hein? Dans la manifestation de son père. Pourtant, il était Dieu, David. Il était Dieu. 100%. Il va t'imiser à faire ça, lui. Pour quelle raison il devait faire ça? Il était God sur terre. Il était Dieu sur terre. Pourquoi il devait faire ça? Il nous donnait cet exemple, mon ami, de vous dire, c'est confirmé parce que la gloire, on ne peut pas voir la gloire de Dieu ainsi. On ne pourra jamais voir la gloire de Dieu. Si tu ne payes pas un prix, tu ne verras jamais tous ceux qui m'écoutent. Quel que soit un pasteur, n'importe qui. Si jamais tu ne payes un prix pour toute la vie, et prix, le prix c'est quoi? C'est de mourir en soi-même. Je ne te dis pas maintenant que tu dois mourir physiquement. Je te parle spirituellement. Je vous parle spirituellement, Pasteur David. De mourir. De mourir en soi-même. C'est-à-dire de vous sacrifier des choses. Même si Bizet quitte madame. Même si Bizet, il faut quitter les enfants. Aller dans un lieu, même sur la montagne. Pour qu'on puisse exactement passer des heures, des moments. À ce moment-là, quand Dieu a vu cette détermination en vous. C'est là qu'il a confié aux quitteuses. And then, comme on dit en anglais, he will reveal himself to you personally. Personne ne sera pas là, mais juste vous et Dieu. And God will speak to you. Pareil que ma Moïse, c'est vrai. Thank you, Jesus. Vous comprenez cela? Amen. Voilà, c'est la gloire, la définition de la gloire. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, même de pasteurs exactement. Ils croient que la gloire va être ainsi, se manifeste un petit peu, mais ce n'est pas comme ça. Il faut que vous payiez le prix. Il faut que vous payiez le prix, sinon, vous n'êtes pas capable. La Bible dit, Dieu ne fait pas exception de personne. Il contente tout le monde pareil. Mais celui qui ne veut pas accéder, celui qui rendait l'intimité avec lui, celui qui ne veut pas accéder à la gloire de Dieu, il ne verra jamais, encore une fois, je vous dis. N'essayez pas d'aller chercher Dieu, n'essayez pas de dire, voilà, je pense que ce prophète, il a parlé, je vais voir maintenant. N'essayez pas d'aller faire ça. Vous ne le verrez jamais, mon ami. Comment? The glory has a price to be paid. La gloire de Dieu a un prix à payer. Il faut que tu puisses accéder et activer. Et activer la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.
Je peux vous dire quelque chose, la gloire de Dieu n'est pas donnée au premier venu. Right? La gloire de Dieu n'est pas donnée au premier venu. Mais elle est donnée aux femmes et aux hommes qui sont prêts à payer le prix. À payer le prix. À payer le prix. C'est d'affaire intéressant. Comme si... on dit comme si on va dans un marché, ou bien, comment dire, vous comparez la gloire de Dieu comme si on achète des pommes d'amour, mon ami. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il y a un prix. Il y a un sacrifice à faire. Il y a une chose qui vous a fait à déclencher cela, à activer, comme on vient de dire sur le thème. Accéder, comment vous pouvez entrer, et activer aussi. Il faut qu'on puisse connaître exactement comment activer ces choses. Pareil, comme je viens de vous dire, un homme comme encore Lewis, il y a plusieurs que ça encore, right, qui a pu avoir 4 médailles d'eau. Pourquoi? Il a activé quelque chose. Right. Mais ça, c'est la gloire des hommes, c'est éphémère. Éphémère. Il vous passez ça. Il vous passez ça, pasteur David. Yeah, il vous passez ça. Mais tandis que la gloire de Dieu is eternal, c'est éternel. Yeah, 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 hallelujah. When God visits you. Come on. Tu n'oublies, my God, thank you Lord. Tu n'oublieras jamais ce moment. Amen, 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 amen. Même jusqu'à ton mort, jusqu'à vous quitter cette terre, David, n'oublierai jamais. Amen. Moïse jamais a oublié ce qu'il a traversé sur le mont Sinaï. Wow. Même nous ne pas oublier ce qu'il est passé. My dear, I feel that anointing. Wow. Est-ce que vous pouvez oublier votre enfance? Non, impossible. Vous ne pouvez pas. Impossible. Exactement. Quand vous passez de cette expérience avec Dieu tout seul. You and him, him and you. Come on. Là, c'est une autre affaire, David. Yes. C'est magnifique cela. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Et moi, ce que j'ai écrit là, right? Quelle que soit la gloire du monde et quelle que soit la gloire de Dieu, right? Vous avez un prix à payer pour ça. Yeah, wow. Bof! Peu importe qui la gloire que tu peux rôder. Parce que c'est vrai, mais il y a une différence. Il y a une différence entre la gloire du monde et la gloire de Dieu. Yeah. Ils cherchent des choses, ça veut dire demain où gagne couple, le couple là, qu'est-ce qu'il va faire? Si on gagne sa chille là, c'est pas quoi. Il va, il prend les rouilles cela. Fini ça. C'est fini ça, c'est éphémère cela. But the glory of God still. Wow. Hallelujah. Tu n'oublieras jamais quand Dieu t'a visité, quand Dieu vous a visité, pasteur David. Vous n'oublierez jamais. Yes. Vous n'oublierez jamais ce moment. Come on, come on. My dear Father. Thank you, Jesus. Beaucoup, aujourd'hui, beaucoup de monde, si nous causons l'eau là, nous causons un peu de l'église. Yeah. Hein? Beaucoup de monde dans l'église aujourd'hui, je ne trouve pas, ils ne vivent pas l'expérience de la gloire de Dieu. Bien qu'ils soient à l'église pendant des années. Tu peux être dans l'église pendant 50 ans, 20 ans, mais tu n'as jamais goûté la gloire de Dieu. Wow. Tu n'as jamais goûté, expérimenté the presence, the real presence, la manifestation de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, c'est vrai que nous voyons dans plusieurs églises qu'il y a un petit peu de manifestation, un petit peu bouge-bouge. Vous comprenez là, il y a ça dans toutes les églises aujourd'hui. Yes. Hein? Nous voyons, nous dit comme ça, voilà, mais ça c'est la présence de Dieu sur lui. Est-ce que réellement c'est la présence de Dieu sur lui? Ou c'est émotionnel, ou c'est sentiment, ou c'est émotionnel qui le fait comme ça, parce qu'il voit des gens qui font ça, n'importe quoi. Ou il parle, il trouve un petit peu, fait ça. Alors, s'il fait ça, vous comprenez là, alors, ici, il dit non, des mots pour bouger un petit peu la chair. Mais vous devez exactement, vous bien connaître, quand vous trouvez un petit peu, il faut savoir exactement poser cette question à vous-même. Right? Est-ce que ça qui est là, c'est vrai, il peut manifester, la gloire de Dieu se manifeste autour de lui là, ou si c'est l'émotion? Nous voyons maintenant d'ailleurs qu'il y a plusieurs, il n'y a plus beaucoup qui peut manifester, David. Thank you, Lord. Il n'y a plus beaucoup qui peut manifester. La vie pénance, chair pénance, plutôt, pénance, mais quand vous retournez chez vous, pénance, vous retournez pareil. Non. Parce que, comme je vous dis tout à l'heure, thank you, Jesus, when God touch you, when the glory of God tu around ça, you. Tu changes ça, tu changes ça. Ah, idéal. Tu changes. Si vous le recherchez de tout votre cœur. Yeah. C'est vrai ça.
C'est vrai. Si vous donnez cet accès à payer le prix qu'il faut pour votre vie, je vous dis, définitivement, Dieu, comme on dit, Dieu dit comme ça, qui si te redemande de toutes les cœurs, tout pour trouver. Amen. Dans Isaïe, dit ça. Amen, amen, on va amen, voir amen, ça amen, dans Isaïe. Vous comprenez ce que je vous dis, amen, David? Amen, amen. Right? En fin de compte, la gloire, il est tout à un prix. Il y a un prix, ça, la gloire. Tout coûte, hein, pour vous dire. Si un du monde dit la gloire, c'est quoi? La gloire a un prix. Yeah. La gloire ne peut pas te donner comme ça. Tu ne peux pas avoir un accès à la gloire de Dieu comme ça. La gloire a un prix. Il faut le payer. Amen, amen, amen. Il faut le payer. Amen. Vous comprenez? Right? Et puis, une autre affaire, ce que je voudrais vous dire, la gloire ne tombe pas sur les gens par hasard. La gloire de Dieu ne tombe pas sur les gens par hasard, ça. Comme on le croit. La gloire de Dieu peut tomber. La gloire de Dieu ne tombe pas. Dieu ne peut pas envoyer, ne peut pas se manifester sa gloire comme ça. Malgré, nous disons, nous connaît, parce que quand on peut le sacrifice, il y en a beaucoup de monde peut-être qui ne comprennent pas ça. Ils disent, mais frère, mais Jésus-Christ est fini sacrifié. Come on, yeah. Rich. Pasteur David, Jésus-Christ est fini sacrifié pour nous. Alors, c'est-à-dire, on doit rester comme ça, même se courber les mains comme ça. Il y en a beaucoup de dire oui, ben, ok, frère, on va trouver la gloire de Dieu peut manifester dans mon avis. Mais pas besoin de faire non, parce qu'il a donné sa vie. C'est vrai qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi, sur la croix. Il s'est sacrifié lui-même. Sacrifié lui-même pour gagner qui, pour avoir qui. Jésus lui-même, pasteur David, il devait toucher sa la gloire amen, de Dieu amen. Dans le ciel. Pour lui-même personnellement. Pour lui-même personnellement. Yeah. Écoutez ça, je vous dis. C'est vrai ça. C'est vrai il a payé le prix pour sa vie. Thank you, Jesus. En tant qu'il est 100% homme, il a fait ça pour lui-même. Right? Yeah. Pour aujourd'hui, il puisse s'asseoir dans la gloire de son Père. Wow. Lui-même, il a permis, il permet qu'il va une couleur de cela, mais. Comment? Right? C'est vrai ça. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Wow. Il a sacrifié lui-même. Il a donné. Il n'a pas hésité, mon ami. Wow. Il n'a pas hésité. Il n'a pas fait d'hésiter. Non, même qu'il était un homme, il était un homme vraiment. Un homme de prière sur la terre. Quoi? Il aurait pu sauver sa vie. Wow. Il n'est pas capable de sauver. Par exemple, moi, je suis un sauvé. Non, lui, ici, c'est sauvé. Mais il a fait ça pour quoi? Pour quel objectif il a fait ça? Il a donné sa vie pour l'humanité. Parce qu'il voyait la gloire devant. My God. Wow. Il voyait la gloire de Dieu devant. Hey. Il savait. Tu connais qui peut arriver là après. Comment? Son père va lui remettre cela. Sa couronne là. Hein? Comment la Bible dit nous maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Pour assis à la droite de Dieu, David. Il y a un prix à payer. Amen, amen. Et Jésus a payé le prix. Comment maintenant, toi, tu ne payes pas le prix, toi? Comment tu peux me dire que, frère, Jésus-Christ, il finit s'arriver. La gloire, oui, c'est vrai, la gloire qui est dedans de toi. La gloire se manifeste. Mais tant qu'il ne t'a pas activé, c'est ça qui est important. Tant que tu ne l'actives pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu, mon ami. Yeah. Tu ne pourras jamais, tu vas quitter cette terre sans voir la gloire de Dieu, mon ami. Vous comprenez ce que je vous dis? Yes. Vous parlez... Est-ce que vous êtes capable d'évoluer un petit peu vu à cause de l'éternité? Dans l'intiguit vite maintenant, parce qu'il y a une quitteuse qui... bon, laisse-nous regarder un coup de ça. Luc 9, 28, là. Nous parlons un peu vite. Merci d'être pasteur David. Luc chapitre 9, le verset 28. Oui. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, écoutez ça bien. Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Aïe. Continue. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui.
c'était Moïse et Élie. Continue. Qui apparaissaient dans la gloire, parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Continue. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec arrêtés. Merci, pasteur wow. David. Voyez-vous même ce récit, qu'est-ce qu'il dit dedans? Ils ont l'habitude, Jésus avait l'habitude de prendre, il y en a trois qui sont très proches avec Jésus, ces trois-là. C'est pour cela qu'il ne prend pas 12. Vous devez comprendre, qui fait qu'il ne prend pas 12, il prend juste trois dedans. Il croyait que ces trois-là, tu es ensemble avec lui, alors quand il est monté, il peut le prier. Vous voyez, il a payé le prix, il est monté au sommet de la montagne, Jésus. Comment? Je pense que ce n'était pas, je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas le matin, peut-être le soir. Je ne sais pas exactement. Mais lorsqu'il arrivait, c'est là pour arriver au sommet de la montagne, il faut payer le prix. Pour monter jusqu'à là, t'as pas tiré ban rosté dans l'autre ban chose, pareil comme le montagne, nous ramasse ban difficulté pour capable monte là-haut, mais il faut faire un effort. Jésus-Christ a pu faire son effort. Regardez mon ami. Et puis les autres aussi, ça trois là, t'as Jacques, Jean et Pierre, ils prennent ça trois qui viennent là, voulant de dire parce que vous devez comprendre qui Jésus-Christ t'y connaît qui peut arriver. Comment? Quand vous êtes dans la prière, vous savez exactement ce que vous arrivez. Il y a des choses. Si vous avez une visitation d'avant, Dieu va vous révéler cette révélation. Alors les temps ils montent, les temps je monte, je n'allais. Je n'arrive au sommet. Les temples commencent à prier. Il y avait quatre personnes qui prient là, n'est-ce pas? Jacques, Jean et Pierre. Avec Jésus, ça fait quatre. Lorsque la gloire apparut, puis Jésus rentre dans la gloire. Il y a seulement que Jésus entre dans la gloire, my dear father. Regardez que ce verset vous dit, qu'est-ce que tu peux faire? Les temps Jésus-Christ, tu peux prier, intercéder, prier, il continue de se prier. Il rentre dans la gloire. Qu'est-ce que tu peux faire, Zot? Je ne gagne gros sommeil, je peux ronfler, frère. Maintenant, une personne comme ça, Dieu envoie sa gloire dans ce lieu. Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu peut manifester? C'est pour cela qu'ils ont seulement vu, my dear father. Ils ont vu, ils n'ont pas entré. Les temps sont levés, sommeil cassé, les temps levés. Jésus peut entretenir, il sait exactement, il savait que c'était Élie et c'était Moïse. Il reconnaît Moïse, même qu'il n'était pas dans le temps de Moïse. Parce qu'il n'a aucune photo, mais pas connaît moi quelque chose pour prouver que c'était moi. Il savait parce qu'il avait de la connaissance. Il y a une personne qui a dit, quand vous êtes dans la gloire de Dieu, vous avez toute la connaissance. Amen. La révélation, c'est ça. David, quand vous allez directement dans le ciel, vous aurez toute la révélation. Amen. C'est-à-dire, vous connaissez comment on m'appelle. Vous connaissez comment madame m'appelle. Même un Chinois, même un Hollandais, je ne sais pas, dans le monde entier, vous devez savoir leur nom parce qu'il y a de la connaissance dans le ciel. On a la connaissance dans le ciel. C'est vrai. Regardez ces trois-là, Jésus-Christ, il finit rentre dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a prié. C'est pour cela qu'il est très important quand on vit trop la gloire de Dieu. You must pray. Pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut qu'on prie. Comment? Pour accéder à la gloire de Dieu, il faut rentrer dans la prière, mon ami. Il faut activer quelque chose. Le mot activer veut dire, c'est se bouger, pareil comme Jésus lui-même. Il est sorti depuis au bas, pour aller directement, juste seulement. Paul trouve sa manifestation et entrer dedans et parler avec Moïse et Élie, entretenir comment cela mort peut être. Mais maintenant, les temps sont levés. They were surprised. Ils devaient être dans la gloire, eux aussi, mon ami. Si je t'utilisais dans la gloire, pour la gloire manifestée autour de Dieu. Et je supposément rencontré Moïse et Élie. My God! Voilà, pasteur David! Je t'ai mis un peu entretenir avec Moïse, avec une conversation. C'est vrai. Et lack of prayer, comme en anglais dire, un manque de prière, l'a fait rater
Right? De rentrer, une opportunité de rentrer dans la dimension de Jésus. Yeah, yeah. Parce que Jésus, ce qui monde comprend, thank you Lord, prophétiquement, si les tout seul, tu pourras entendre ça avec Élie, avec, avec Jolie, bah, tu m'emmènes ça trois là. Voilà la question. Yeah, yeah, yeah. Il aurait pu les laisser au bas. J'avais ça même là, mon belle, là, mon vinyle. Pareil, comment Abraham, tu fais avec ce man serviteur. Exactement. Il a dit, attends, mon vinyle, moi, l'enfant, parce que lui, il a un commitment pour God. Dieu lui a dit comme ça, mon petit, c'est toi, mais ton maman, ton papa, ton frère, non, et moi. Tu dois venir exactement tout seul. C'est vrai. Vous comprenez? Alors, voilà ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas pu avoir accès à cette gloire. Dieu voulait qu'ils gagnent tous les dés. Dieu voulait qu'ils complètent. Je gagne tous les dés. Vous comprenez? Un manque de sommeil dans leur vie. Le sommeil est le contraire de la gloire. Quand on a un sommeil, when God says, il faut quitter le lit quand Dieu vous dit de quitter le lit. Amen, amen, amen. Un pasteur, s'il veut voir la gloire de Dieu se manifester dans son ministère, il bien quitte le lit. Amen, amen, amen. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pasteurs, ben homme de Dieu qui fait ça. Ou soit ils gagnent la vie de routine là pour lever, après tu allais pour préparer un petit message, vous voyez, tu ne verras jamais la gloire de Dieu, mon ami. La gloire de Dieu ne va pas se manifester parce que tu n'as pas le désir. Le désir qui fait cela. C'est un désir ardent de te sacrifier ta famille. De te sacrifier ta famille, mon ami. Nous parlons maintenant sur Moïse. Peut-être dans 10 ou 15 minutes, on va terminer. Nous parlons maintenant sur Moïse. Exode 34, 28-29. Allez-y. Thank you, Jesus. You are great, Lord. Exode 34, et puis? Exode 34, verset 28-29. Lisez ça, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne buvait point d'eau. Et l'Éternel écrit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Waouh! Vous voyez cela? Waouh! Pendant 40 jours! Dieu dit comme ça, tu dois monter au sommet de la montagne avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Moi, j'ai un paquet pour me donner toi. Tu dois monter. Et il a laissé le peuple là. Le peuple était au bas. Pendant 40 jours, tout le monde trouve Moïse peut aller. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il a fait lui? Exactement. Quand il tout le peuple, chose allait, il n'attend le premier jour, deuxième jour, 5 jours, 10 jours, 20 jours, à partir peut-être de 15 jours. Ben là, commence à murmurer, dire ça, Moïse ne viendra pas, ça, mon ami. Moïse, il finit mort là-haut. Ça, peut-être qu'il ne sait pas, il finit, il y a quelque chose qui s'est arrivé. À ce moment-là, même qui, comment dire, je t'ai influencé parce qu'ils continuent d'avoir, ils avaient. L'aspect des Égyptiens dans leur pensée. Mentalité. Je t'y connais cette mentalité. Je t'y connais comment là-bas peut faire. Tiena Bandeu, Tiena qui représentait leur Dieu à cette époque. Ça, c'est resté dans leur tête malgré que Dieu finit de délivrer eux. Mais cette cicatrice est restée. Je finis pour l'Égypte ensemble de toutes les guerres. And then it began with that. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis, mais ça arrive 25 jours. Et Nadimoun, qui font je perds. Je peux causer, mais vous, une banelleuse, je vous. Mais vous ne savez pas qu'il ne va pas revenir. 25 jours, il est arrivé. Il ne va pas venir. Mais pourtant, Moïse, où est-ce qu'il était sur le mont Sinaï? Il était dans la gloire de Dieu. He's waiting. La nuée de Dieu, il enveloppe ça. Il est là, dans l'hypertan, les 10 commandements. Mon ami. Maintenant, regardez quand qu'il retourne. Lorsqu'il retourne, qu'est-ce qui se passe? Les temps, il peut retourner. Banla, les fini étonné. Ils ont fini de faire le chose, un vœu d'eau.
Je peux commencer à dire ça, je dis comme ça, there's no other God. Mm. This is our God. Come on. C'est ça notre Dieu, c'est notre Dieu, ouais, ça. On va le faire notre Dieu. Ouais. Aaron dit ça, vous comprenez? Mm. Right? Il excite le peuple pour faire ça, ça, chose-là. Il dit, donne l'eau, tout du monde qui besoin de l'eau, tiens dans un autre, dans oreille, dans tout là. Mm. On va faire ça, on dit, we will proclaim it God. Mm. Regardez ce Dieu qui fait cette sortie. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Les temps Moïse vini, il est sorti de la gloire. Quand il est sorti là, il peut descendre ce verset qu'il dit à vous. Ce figuier est réunionné. Wow. Why? Because 40 days, quand vous passez 40 jours avec le Seigneur dans la gloire de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive, Pasteur David? La gloire de Dieu. Hein? Règne la vie. L'étant est venu, his face was shining. Mm. Personne ne pouvait le voir. Timisien prend une voile, mettre le figuier. Wow. Pour qu'il n'y ait pas tout lit. Un homme comme ça, à peu près 75 ans, 80 bananes. Comment? Il a passé 40 jours sans manger, sans boire. En même temps de ça sans manger, sans boire là. Mm. He was fasting. Comment? Voilà. Right? Pour voir la gloire de Dieu, vous devez payer ce prix. Mm. Paye dans le jeûne et dans la prière. Mm. Si vous jeûnez ou pas prier, vous pouvez faire la grève la fin, frère. Comment? Ça, c'est sûr, ça. Ou pas gêner, mais ou pas prier. Mais comment on peut appeler ça? La grève la fin. Mais quand vous comprenez ce principe-là, quand vous comprenez le principe, mm-hmm. Right? Quand vous comprenez, David, le principe mm-hmm. qui est Wenaban prix mm-hmm. à payer, yeah. Right? Quand Wenaban prix à payer mm-hmm. pour voir la gloire de Dieu, à ce moment-là, la gloire de Dieu va être axée dans votre vie. Amen, amen. Est-ce que nous capables arriver là, nous conclusions, nous pas beaucoup de temps, nous pour conclure là dans. On peut dire quelque chose très vite, hein, yeah. On parle tellement vite. Yeah. Un dernier exemple qu'il nous donnait, mm-hmm. D'ailleurs, on peut terminer. Ouais. Un dernier exemple qu'on doit connaître, Paul. Mm. Dès qu'on a fini converti, dans la route d'Amas, dès qu'on a fini converti, qu'est-ce qu'il a fait? Mm. Il finalement castré lui. Dans l'Arabie, dans le désert, la Bible dit dans les épîtres, nous pas pour vous guetter ça, c'est-à-dire dans les épîtres, l'Ina l'a encastré lui dans le désert de Sarah, mon ami. Wow. Dans le désert arabe, il est resté pendant combien de temps? 3 ans avec le Seigneur, my dear wow. Lord. Il est resté 3 ans, c'est pour cela, David, écoutez ça bien. Mm. Prophétiquement, je vous dis ça, la parole de Dieu nous dit que quand il finit là-bas, ok? Qu'il a fait, l'étant il finit un commitment avec mon Dieu, la gloire de Dieu est venue sur lui, il a pu savoir exactement quand Jésus-Christ lui révèle la Sainte Seine. Wow. Où est-ce qu'il a eu ça? Dear Lord! Où est-ce qu'il est? Parce qu'il est parti là dans ce temps-là, David. Mm. Il n'était pas là. Il n'était pas avec les apôtres. Comment il a eu ça? Il a eu ça pourquoi? Parce qu'il était dans la gloire de Dieu, il a payé le prix. Il s'est sacrifié sa vie, thank you Jesus, hein, pour pouvoir aller en Arabie. Mm. 3 ans il a passé là-bas, ensuite de retourner faire son ministère. Mais comment maintenant un homme de Dieu, comment il peut me dire maintenant, right? Il vient un petit peu l'église là, presse un petit peu aller. Comment il peut voir la gloire de Dieu, mon ami? C'est pas ça du tout. Il n'est pas pour être accessible à lui. Il est pour faire tout ce qu'il compte. Il va quitter la terre comme ça, mon ami. Un jour, tu prends un sagan ou tu le quittes, tu dis qu'est-ce que ça? Vraiment, ou pas ne payer le prix qui besoin. Mm. David, 2 secondes avec vous. Mm. 2 secondes. Je vais vous raconter une expérience de ma propre vie avant de terminer. Mm-hmm. Ok? Comment me dire tout le temps, on déjà connaît, qui la plupart de mon ministère, il commence sur la montagne. Comment? Mon ministère a été débuté sur la montagne. Yeah. C'est pour cela que m'appelle Leaderware Wilderness. Mm. Parce que c'est un lieu raboteux, ça. Mm. C'est un lieu qui est la rose, là où il faut foncer. Mm. Hein? Mon ministère a débuté là-bas pendant des années, pendant 10 ans, 20 ans à peu près. Mm. 20 ans que mon ministère a débuté là-bas. Mm. Là, il y aura 25 ans. Mais chaque moment de mon vie, okay, j'ai appris à apporter directement sur la montagne. Un jour, je vous dis, mon allé, écoutez ça, 2 minutes, je termine. Mm-hmm. Mon allé, mon Moi, je suis à l'eau crépuscule. Je dis non, mon papa, je dis aujourd'hui, je vais rentrer de sa boîte là pour des hier aujourd'hui. Je vais faire une expérience, je vais entrer dedans. Mm. Dès que je commence à entrer, il y a une voix qui me parle, me dit comme ça, Ben,
Qui fait tout perdre là-bas, tu vas trouver, c'est un gaspillage, c'est une perte de temps. Tu vas trouver que c'est un pays, c'est une ville longue comme ça. Mais tout pour autre là-bas, pour toi là-bas. Et je voulais aller là-bas, David. Comment? Je voulais aller là-bas, pasteur David. L'objectif, c'est là-bas. L'objectif, c'était là-bas. Moi, pas une paix, c'est une paix, la paix, c'est une là-là. Vous comprenez là? Il y a seulement que moi et Dieu là. Dieu peut guider qui m'a pour faire. Finalement, moi, écoute ça, la voix là, moi, je peux me remonter parce que, vous savez. Côte la montagne qu'on dégorde, en bas, et on était un chemin qui allait directement à la ferme. Mon père remonte ce chemin-là, remonte la pente pour pouvoir venir chez moi. Dès, écoutez ça, David, dès comment me faire comme ça, mon père guetter, parce que la montagne est devant moi, le crépuscule, hein, on appelle ça crépuscule, quand vous montez, voilà, le crépuscule. Comment me faire comme ça? Tout de suite, une vision paraît devant moi. Un homme avec un bâton. À peu près, je vous dis, son âge était à peu près de 90 ans. Il marchait chez la crépuscule pour aller monter, atteindre le sommet. Wow. Mais maintenant, lorsque je vois ça, je vous dis, je vois ça. Et puis, arrive un bon moment, ça disparaît. Wow. And then the Lord spoke to me. Come on. Et c'est Edson. Et là, le Seigneur me parle, là, le Saint-Esprit me parle en dedans de moi. Il dit, quel âge tu as, toi? Je dis, à peu près une 45 ans, quelque chose comme ça, oui, 45. Il dit, tu vois cet homme? Quel âge il a? Je me suis trouvé un homme barbu, un homme qui peut prendre ce bâton, peut monter. Il dit, peut-être à 80, 85 ans. Il dit, lui, il a 85 ans, il peut monter la montagne. Mais toi, tu as 45 ans. Mon ami, j'ai pleuré ce jour-là, David. C'était un memory for me. C'était une mémoire extraordinaire. Finalement, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis redescendu. Je me dis, là, non, mon papa a la case. Mon papa retourne chez moi. Je suis redescendu. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé. Mon ouvrier, ça m'en bouillon là comme ça. Et la force extraordinaire que j'ai eue dans ce moment. Je dis, personne ne pourra m'empêcher d'aller là-bas. Et ça joue là, je me suis mon final là-bas, exactement. Et je peux prier à ce moment-là de sortir. Mais ce qui m'a frappé dedans, c'est cet homme, mon ami. Vous imaginez, écoutez ça avant de finir. Ouais. Quand ou pas consacré, il y a des choses que Dieu vous envoie. Il faut que tout le monde sache cela. Il faut que tous les hommes de Dieu sachent cela. Quand ou pas consacré, quand ou pas met tout à part, quand ou pas paye un prix, il y a des choses qui viennent. Vous faites tout content, Dieu vous envoie des visions, des révélations. Mais le moment qui n'est pas accessible à ça, si le sommeil vous prie, fini. Ouais. C'est pareil comme moi, vous dites ça, non, je vais retourner à la maison là. Me dit pour rater ça. Me dit pour rater sa chose qui m'a fini trouver là. Sa visitation qui m'a fini trouver là. Alors, dernière parole pour terminer, je suis capable de dire où qui, tu as l'air là, nous nous guettons ça. Terminer veut dire Jérémie 29, 13. Nous terminons là même. Merci David. Il y a un petit message ça, il y a un petit verset. Jérémie 29, 13. Lis-le, s'il vous plaît. 29, oui. 13. Mais quand elle est là, nous cite lié au début. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Amen. C'est le mot de la fin, David. Amen, amen, amen. If you seek me, the Lord says, you will find me. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, bien aimé, je crois réellement que je suis béni pour ce message. Et je lui donne la gloire à Jésus-Christ ce soir. Et pour toutes les personnes qui finissent connectées, pour toutes les personnes qui live en ce moment, qui peuvent connecter avec nous. Amen. Et je lui donne la gloire à Jésus pour ce moment-là. Je crois que réellement je finis béni. Je demande de partager ce live avec toutes les personnes qui sont capables de partager. Amen. Envoie ça à un chrétien et partage cela avec Dieu parce que réellement, des fois, on a besoin de découvrir cela. Beaucoup de fois, on finit trouver que même le ministère, même peu importe ce qu'il nous peut faire, c'est un moment facile, un moment joyeux, c'est un moment la gloire de l'homme parce que là devant, mais il y a un grand prix à payer pour derrière cela. Yes. Amen. Alors, prophète Ben, je voulais remercier beaucoup pour sa message, pour sa
exhortation qui au fin de nous pour encourager nous. Amen. Pour qu'il nous capable de découvrir la gloire, bon Dieu. Peu importe dans les églises, peu importe dans quel moment, qu'il nous capable de vivre cela. Amen, amen. Que bon Dieu lui bénisse, bon Dieu bénisse au ministère abondamment. Bien aimé, avant qu'il me termine, me les passe un communiqué bien important. Comme je suis au courant, nous livre servir Dieu, les peut sortir en PDF. Amen. Alors, je prends le moyen pour qu'ils soient capables de procurer le livre afin qu'ils réellement soient capables d'être bénis. Amen, amen. M'aurait dire qu'il est bien important que tout bon jeune achète ce livre. Pasteur, est-ce qu'il m'aura pas gagné le mot computer? Oui. Est-ce qu'il m'aura pas gagné le mot laptop? Oui. Dans tout portable, smartphone, qui Android, je suis capable de gagner le livre pour qu'ils soient capables de lire le livre. Amen. Très bientôt, les pays sortis, moi, demande de préparer eux afin qu'ils soient capables de procurer le livre. Amen. Alors, avant qu'ils soient allés, moi, les encourage aussi pour qu'ils soient capables d'abonner à nos chaînes YouTube. Et aussi, très bientôt, nous pourrons diffuser cela sur Facebook. Vous pouvez mettre un poster qui jour, qui date, afin que tout le monde, personne, toute la communauté Facebook, soit capable de connecter et soit capable de bénir, être béni par sa parole. Amen. Avant qu'ils nous allés, moi, les, dire merci Seigneur pour ce moment-là. Et aussi, moi, pour prier. Père, au nom de Jésus, me donne-toi la gloire pour ce moment qui nous fait passer ensemble. Seigneur, te bénis ton serviteur. Te bénis, Seigneur, dans ce ministère qui te fait appeler, afin, Seigneur, qu'il y termine, Seigneur, ce qui te fait commencer dans cela. Seigneur, me donne-toi merci. Me prier, Seigneur, pour chaque personne qui peut guetter en ce moment, qui besoin de guérison, qui besoin de délivrance, qui besoin de restauration. Seigneur, capable de te bloquer au niveau qui se pour. Pour qu'ils soient capables de rendre de la gloire. Yes, non, oui. Seigneur, ce soir, mon brise tout mon esprit de sommeil. Assoupissement, Seigneur, qui bloque ton peuple, qui empêche de rendre de la gloire, qui empêche de consacrer. Et à l'instant même, Seigneur, mon unlock cela. Qui appartient maintenant, Seigneur, je te rende sur la montagne spirituelle. Qui se rende dans le moment caché. Qui se rende dans le moment secret. Yes, afin, Seigneur, qu'ils soient capables d'expérimenter la gloire. Et qu'ils soient capables d'amener le réveil dans notre vie, dans notre famille, dans notre ministère. Dans le nom puissant de Jésus. Non. Et nous tous qui croyons nous dire amen. 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 Qui bon Dieu dit bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt. Sur Facebook, PST David Marie. Et aussi abonne-vous. Et très bientôt. Et nous pourrons revenir vers vous afin que nous soyons capables de bénir la vie. Qui bon Dieu dit bénisse. C'était notre serviteur, le prophète Ben. Et aussi le pasteur David. Shalom. Shalom. God bless. Shalom. Ciao. God bless. Alors maintenant, je les encourage pour qu'ils soient capables de soutenir nous. Soutenir nous par la prière, par le jeûne. Soutenir nous avec un verset biblique, un encouragement. Vous êtes nous bien, encouragez-nous les uns les autres. Et aussi, elle nous a fait bien important, vous êtes capables d'encourager nous avec ce bon don. Financièrement, vous êtes capables d'encourager nous parce que nous là, nous pouvons faire un don okay, de tous nos cœurs afin que ce ministère-là soit capable d'aller de l'avant. Alors, je crois. Vraiment, mon assurance que ce message-là pour bénir toi et pour bénir deux générations qui, bon Dieu, les bénisse abondamment.